suis Laurie Pescaer, je suis étudiante dans le domaine de l'environnement en licence professionnelle. Je pratique le tir au pistolet à 10 mètres et à 25 mètres au stand de la Société catalane de tir à Saint-Cyprien dans le Languedoc-Roussillon. J'ai des principaux titres au niveau international sur les matchs de Munich, de Innsbruck, et j'ai eu une médaille de bronze au championnat d'Europe en 2012. D'abord, pour la réduction de temps, je vais être obligée d'accélérer un petit peu mon rythme de tir. Ensuite, pour les nouvelles finales, ça va dépendre du contexte. Donc si on rentre dernier, forcément, on n'a aucune pression, donc on peut que remonter. Par contre, si on rentre premier, on a plus de pression et là, on peut avoir le trac. Pour moi, la remise à zéro du match pour les finales, ça va un petit peu me perturber parce que j'ai beaucoup le trac en finale. Donc il va falloir que je travaille sur ça prochainement. En ce qui concerne l'audience auprès des spectateurs et des médias, je pense que ça peut qu'améliorer l'image qu'elle tire. Déjà parce que ça va être plus court, donc pour les spectateurs ça va être plus facile à regarder. Ce que j'aime quand je choisis un pistolet, c'est déjà la prise en main. Donc, j'aime bien qu'il y ait une forte pente de crosse. Et le pistolet que j'ai actuellement, j'aime la détente électronique. En ce qui concerne les plombs, je tire les dotations de la Fédé. Ce sera surtout de faire ma place dans le collectif 10 mètres en dames, parce que je suis toute nouvelle. Pour les Olympiades de Rio, je vais prendre les choses étape par étape et je vais essayer de ne pas me focaliser dessus. Il y a d'autres compétitions avant, le championnat d'Europe, les Coupes du Monde. De manière générale, le tir m'apporte une certaine qualité de concentration dans ma vie quotidienne et surtout pour mes études lors des examens. Et ensuite, une certaine rigueur pour tout ce qu'on fait au quotidien pour être appliqué.